Bonjour mes amis, aujourd'hui pour une petite vidéo de bricolage. Là j'ai mon compresseur hein, qui travaille bien là, mais un petit souci, j'ai une fuite d'air ici, une fuite d'air là-dedans là. Alors, ça veut dire qu'il faut que je dévisse les quatre petites vis là, que je sorte ce petit truc qu'il y a ici là, pour voir qu'est-ce qui se passe en dessous. Pour moi, il doit y avoir quelque chose. Je ne sais pas si je vais réussir à le refaire. Hein? Je ne sais pas si je vais réussir à le refaire. Comme vous pouvez voir, quand je le mets en route, il y a de l'air qui s'échappe par là. Je ne sais pas si en jouant en dessous ou pas. Je sais pas du tout. Bon, je vais démonter tout ça, je vais voir ça et après je vais voir si j'arrive à le refaire. Et voilà, les amis, j'ai déjà démonté. Et je viens de voir. J'ai démonté le truc là, là j'ai enlevé les quatre vis. Et les quatre vis en poussant, c'est qu'il faut avec une petite clé comme ça. C'est une petite clé de 7 qu'il faut dévisser tout doucement. Et je viens de voir. Je viens de voir. Ici, il y a un caoutchouc ici. Vous voyez, comme on peut l'apercevoir ici. Et voilà, il est percé là. Il y a un trou ici. Voilà, il est percé là. Et c'est par là que l'air il passe. Oh oui. Bon, bah, écoutez, je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Mais je pense que je vais le refaire. Je vais essayer avec un morceau de chambre arrière. Hein. Je vais voir. Ouais, je pense que ça va donner. Voilà, j'ai tout démonté, hein, comme vous pouvez voir. Le trou est là. Un petit truc, hein, rien du tout, regardez comme ça. Ça fait le bordel. Et après, il y a la fuite d'air et le compresseur, quoi. Et il y a du mal à remplir. Et quand il remplit, quoi, il y a toujours l'air qui sort. Et voilà. Et là, comme il a été déchiré beaucoup, comme il était déchiré beaucoup, quoi, le compresseur, il travaille permanent, quoi. Il ne s'arrête pas. Voilà, les amis. Bon, allez, je vais faire tout ça, je vais essayer, je vais refaire un nouveau joint pour mettre là, et on va essayer ça. On va voir, hein.